En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin. 8 janvier 2019. Les militants et sympathisants de la coalition des 14 ont à nouveau rendez-vous dans les rues ce samedi 12 janvier. Ce sera la première marche pour le compte de cette année 2019. Mais alors là, les interrogations sont nombreuses en ce qui concerne la mobilisation des citoyens pour cette manifestation. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. En termes de mobilisation pour les marches, y aura-t-il un avant et un après 20 décembre 2018 pour la coalition? Et pour en parler avec moi dans ce studio, le docteur James Amaglo, il est le coordonnateur des forces démocratiques pour la République, parti membre de la coalition dans le Grand Lomé. Bonjour docteur. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teco à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. En termes de mobilisation pour les marches, y aura-t-il un avant et un après 20 décembre 2018 pour la coalition ? C'est le thème du jour. Alors, James Amaglo, on va revenir brièvement sur l'épisode du 20 décembre. Aujourd'hui, est-ce que la coalition s'est remise de ce revers, selon les termes employés par l'un des responsables de cette coalition lors de son message à l'occasion de la nouvelle année? Non, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je crois que ce serait pour moi une obligation. Absolument. De souhaiter une bonne et heureuse année à mes compatriotes, une bonne et heureuse année à Nana FM, tout son personnel, sa direction, pour le travail extraordinaire que vous faites. Merci. Nous prions que vous développez encore davantage votre excellence pour mettre notre peuple à la hauteur de son éveil citoyen pour pouvoir accomplir la mission qui est la nôtre. Merci. Ceci dit, je ne sais pas, est-ce que c'est dit quelque part que nous avons subi un revers le 20 Dans le message publié par Fulbert Atisso à l'occasion de nouvelle année. D'accord, oui. Mm-hmm. C'est ce message qui fait couler beaucoup d'encre. Je crois qu'il y a eu beaucoup de maladresse dans la forme et dans le fond de ce message. Ça, c'est à titre privé que je le dis comme ça amicalement à mon ami Fulbert. Je crois qu'on se verra et on échangera sur ce qui l'a poussé à faire cette sortie maladroite. Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas eu de revers? Il n'y a pas eu de revers. Pourquoi? Le 20 décembre, la coordinatrice de la coalition a eu à le préciser, je crois, sur vos médias ici, nous avons demandé au peuple togolais de rejeter, d'empêcher ces élections. C'était clair. Et en le disant ainsi, nous n'avons eu de critique de nulle part parce que c'était une obligation pour la coalition d'empêcher ces élections parce que c'est un drame que le pouvoir a préparé pour le peuple togolais. Il fallait tout faire pour éviter ce drame. Nous avons fait ce que nous avons pu. Le peuple a fait brillamment ce qu'il a pu. Et le 20, c'est unir ses acolytes, tous ceux qui étaient dans le plan machiavélique de détruire ce pays, c'est eux qui se sont retrouvés sous la protection des chars, des forces de sécurité, de la milice, pour aller faire ce qu'ils ont fait. Vous étiez tous témoins. Les reportages de vos radios, de vos confrères de l'extérieur, de l'international, ont réussi à dire qu'il y a plus d'observateurs dans les bureaux de vote que des lecteurs. Donc en un mot, vous vous diriez que le 20 décembre, ça a été... Je ne crois pas que quelqu'un de sérieux, de l'intérieur comme de l'extérieur, puisse dire que le 20 décembre, que l'opposition ou la coalition aurait subi un revers, je ne crois pas. Par contre, le 20 décembre, le peuple togolais a réussi à s'affirmer, à s'exprimer, à dire qu'il connaît les dessous des plans machiavéliques que ceux qui sont chargés de le protéger organisent contre lui. Ça, ça a été clair. Alors, au-delà, aujourd'hui, l'Assemblée issue de ces élections du 20 décembre fait son entrée. C'est la première session de plein droit. La vie politique continue et visiblement, sur ce plan-là, sans la coalition des 14, est-ce que ce n'est politiquement pas un coup? Oui, je vous ai vu sourire quand vous avez parlé de l'Assemblée. Je vous ai vu sourire, j'ai vu sourire les techniciens et autres. Nous n'avons pas d'assemblée au Togo. Malheureusement, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision. Oui, ça fait sourire.
Même ceux qui sont, se disent élus, eux-mêmes, ils savent que ça pose problème. Unir à monter un coup, c'est distribuer des places de députés. Les députés sont, c'est des élus, mais dans le cas précis du Togo, le 20 décembre, on a assisté à un partage, à une nomination comme les délégations spéciales. Et dans ce partage, certains même ont exprimé leur colère. On les interroge, on leur a donné, après on reprend, parce qu'on veut augmenter le quota de certains qui devaient être chefs de groupe dans le plan. Certains ont pleuré. Même des députés du bord de Unir, un ancien président de l'Assemblée nationale, s'est plaint. Ils disent qu'ils ont mérité le poste pour qu'on le redonne à un autre. Donc, nous n'allons pas trop parler de cette Assemblée parce qu'elle est illégitime. Elle est même illégale parce que ceux qui ont concouru à ce qu'on fasse ce partage n'avaient aucune assise légale. Je veux parler de la CENI. Et pourtant, elle siège et elle fera des lois pour la République. Vous vous souvenez, en 2005, quand il y a des Mayas morts, ce qui s'est passé. Nous avions une constitution en bonne et due forme. On ne l'a pas appliquée. Des gens se sont autoproclamés. Des gens se sont allés, des généraux sont allés faire allégeance. Et nous sommes rentrés là-dedans. Le Togo n'a pas encore fini de surprendre en termes de... Donald Trump dit ? Pays de merde. Le Togo n'a pas encore fini de surprendre parce que c'est un pays, je m'excuse, de merde. Et nous devons tout faire sortir pour sortir de cette merde. Mais à l'exception de Donald Trump, vous, c'est votre pays. Pays. Je dis, nous allons tout faire pour sortir de la merde. Je sais que nous sommes dans la merde. Vous avez vu tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. On a signé l'APG depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Cet APG qui a permis au chef de l'État de trouver la sérénité et de pouvoir fréquenter ses collègues présidents, d'aller à l'extérieur, dire « je suis président du Togo », il n'a pas osé appliquer un seul point de l'APG. Alors, ce n'est pas un pays de merde, ça ? Maintenant, la marche organisée ce samedi, ce sera le 12 janvier, et je l'ai dit en introduction, certains, notamment des acteurs politiques, notamment des centristes, s'interrogent sur votre capacité à mobiliser. Il est dit que les marches drainent de moins en moins de personnes. Quelle est votre appréciation par rapport à cela ? C'est qui les centristes ? Les centristes, c'est qui ? Ils ne voient pas le pays en danger ? Ils font quoi ? Non. Le 20 décembre 2018 a été le point culminant de la capacité de mobilisation ou bien de donner une directive à ce peuple par la coalition. Ça a été atteint. Le peuple, le 20, a montré que pour ce régime, c'est fini. C'est fini. Maintenant, est-ce qu'il y aura un avant, un après? Oui, il y aura un avant. Il y aura un après. Quelle sera la différence? L'après, c'est quoi? C'est la mutation qualitative et quantitative dans ce que nous sommes en train de faire. Sur le plan organisationnel, il doit y avoir une mutation qualitative. Sur le plan mobilisation, il doit y avoir une mutation qualitative et quantitative. C'est une obligation. Le peuple est prêt pour ça. En termes de quantité, on peut comprendre, puisque vous avez appelé à l'élargissement du mouvement, vous avez appelé un mouvement citoyen. C'est quantitatif et qualitatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Togo actuellement? Vous avez constaté que le chef de l'État, le président de la République, sait que son peuple n'est pas d'accord avec lui. Il sait que son peuple souffre de sa gouvernance. Il le sait très bien. S'il doutait, le 20 décembre, il a su, l'expression a été plus claire. C'est la preuve. Est-ce qu'il a pu présenter des vœux? Vous savez que depuis quelques années, la deuxième chose, volontairement, le chef de l'État veut mettre son peuple en difficulté en s'octroyant le service des chefs d'État de la CEDEAO pour venir l'accompagner, parce que seul, il ne peut pas mettre son peuple dans cette difficulté. Alors, il s'est associé le service des gens de la CEDEAO. Nous avons une partie de notre élite, une minorité de notre élite militaire, sécuritaire, juridique, universitaire, économique, les chefs traditionnels. Il y a une minorité de ces gens-là qui l'accompagnent dans cette dérive de mettre son peuple en difficulté, en danger. Mais contrairement à cela, la frange de la classe, de l'élite, je dirais,
économique, universitaire, juridique, la société civile, toutes les composantes, la prise de conscience est plus grande parce que le danger est imminent et visible à tous. Nous avons l'obligation de faire l'instinct de survie. Et par conséquent, l'élite davantage s'implique. C'est ça la mutation qualitative que vous verrez. Et le peuple aussi sent qu'il y a un danger, que ceux qui sont appelés à le mettre dans la paix, à lui apporter la paix, volontairement le mettent en danger. L'instinct de survie doit se développer également chez ce peuple. Et ça se développe davantage. C'est pour ça, à partir du 12 janvier, progressivement, nous allons progresser et irrésistiblement pour que ce régime-là prenne fin, que cet état d'anomalie qui pèse sur le Togo prenne fin et que nous redonnions la dignité à notre peuple. Notre peuple doit retrouver sa dignité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour lui. C'est le peuple lui-même qui doit s'organiser, son élite, et la prise de conscience, elle est générale, elle est globale. Vous avez vu la société civile. Vous avez vu jusqu'aux religieux. Les musulmans qu'on a voulu faire taire, mais ils ont tout fait pour prendre leurs responsabilités et s'assumer. Les riches catholiques, les évangéliques, les méthodistes, les musulmans, tout ce que le pays a de profond et de qualité s'est réveillé. Et comme dira Monseigneur Alognon, pour l'amour de ma patrie, je ne me tairai point. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec James Samaglo, coordonnateur des forces démocratiques pour la République dans le Grand Lomé. Et avec lui, nous sommes en train de nous interroger sur l'avant et après 20 décembre 2018 en termes de mobilisation pour les marches. Vos auditeurs pourraient dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, James Samaglo, en termes de qualité, certains seraient peut-être restés sur leur soif parce que la coalition continue de recevoir des reproches en ce qui concerne sa stratégie. Il est dit que c'est les marches, toujours les marches, et à la fin, on n'a pratiquement pas grand-chose. Que répondez-vous à cela? Non, c'est une œuvre humaine. Elle n'est jamais parfaite. Nous-mêmes, nous pouvons en déceler. Des observateurs extérieurs peuvent en observer. Et nous sommes ouverts à toutes les critiques constructives pour avancer. Les marches, ce que le peuple a, l'arme redoutable, incontournable, c'est sa capacité de prendre conscience et d'exprimer son mécontentement. Et on le fait. On ne le fera jamais assez. Il faut le faire, même si c'est 1000 fois qu'il le fait, pour que la 1001e fois soit la réussite, on le fera. Le peuple ne se fatiguera pas parce que il n'a pas la paix, il ne pourra pas dormir. Nous devons continuer, nous continuerons. Ce n'est pas que des marches. C'est des marches qui ont eu un objectif. La marche a été si puissante que le chef de l'État et tout son réseau ont compris que seuls, ils ne peuvent pas faire face aux manifestations. Ils sont allés solliciter le concours de la CDAO. Vous étiez témoins qui nous ont tournés, qu'on a cru que c'était des gens, mais qui nous ont tournés en bourrique. Mais ça aussi, pour moi, ce n'est pas une préoccupation parce que le Togo a un président. Et quand il y a des problèmes au Togo, c'est le président togolais qui le règle et non le président ghanéen ou guinéen. Vous vous souvenez quand les gens sont venus la dernière fois pour les observations, il y avait un certain Djibo qui était président de la CDAO, enfin président des observateurs de la CDAO. Quand il y avait du bordel dans son pays au Niger, c'est lui qui a mis fin au bordel. Mais quand il est venu au Togo, vous avez vu comment il s'est comporté? Il n'avait pas une obligation au Togo. La responsabilité au Togo de mettre fin au bordel, c'est le peuple togolais, l'élite togolaise. Ce n'est pas le Djibo du Niger. Quand c'était son pays, il a mis fin. Quand au Ghana, ça n'allait pas. Rollins a mis fin au désordre. Il n'est pas venu appeler quelqu'un d'autre. Au Burkina, à côté ici, quand ça n'allait pas, le peuple a pris ses responsabilités sous la conduite de l'élite. Ils ont mis fin au désordre. Quand l'armée a voulu, Dindiré avec son coup, ont voulu, avec la complicité des fois même de la CDAO pour venir le réinstaller, ça n'a pas marché. Donc, nous, au Togo, c'est nous qui devons assumer la responsabilité de mettre fin au désordre clair dans lequel on nous plonge, on veut nous maintenir. La misère là, l'humiliation là, c'est nous qui allons mettre fin à ça. Et pour ça, je vous dis, il y a qualitativement une mutation en termes de quantité, en termes de qualité, de l'élite, du peuple, en marche irrésistiblement vers la mise afin de
cet état d'esprit qui prévaut un peu dans notre pays à partir du coup d'état du 13 janvier 1963. Joseph Ajavon, pardon, sur la page Facebook de Nana FM, va dans la direction qui est la vôtre. Il écrit « Si on est convaincu d'une cause, on n'abandonne jamais la lutte. Surtout, la lutte d'un peuple aboutit toujours. » Par contre, Thierry Agué, il dit « La C14 fait preuve, a fait peur au pouvoir avec les marches, mais il voudrait savoir s'il n'y a plus d'autres moyens plus puissants que les manifestations. Que lui répondez-vous ? » L'histoire a montré que plus puissant que les manifestations populaires, il n'y en a pas. Quand ça va prendre, quand ça va chauffer, le peuple chauffe jusqu'à n'importe quel degré. Le peuple peut chauffer jusqu'à 1000 degrés. S'il chauffe, si c'est à 100 degrés qu'il a les résultats, il arrête. Si c'est à 200 degrés, si c'est à 1000 degrés, nous devons continuer à chauffer et nous atteindrons l'ultime degré qui permettra de mettre fin à ce désordre. D'autres pays l'ont fait. L'histoire est là, regorgeant de beaucoup d'exemples. Ce n'est pas les marches et autre chose, non. La marche, la colère populaire, elle n'a qu'à s'exprimer. Que tous les Togolais prennent conscience que on nous a notre malheur, la cause, on la connaissait, le régime en place. Il faut les dégager. Et ils partiront. Il n'y a rien d'autre que ces manifestations. Si elles sont puissantes, elles peuvent dégager tout sur son chemin. Ken Poké sur la page Facebook de Nana FM écrit que le seul moyen dont dispose la C14, ce sont les marches. Et il dit qu'il est persuadé qu'avec les marches, vous aurez la victoire. Mais force à la C14, force au peuple togolais, écrit-il. Nous allons maintenant écouter l'avis des auditeurs par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Alors, allô Antoine. Comment allez-vous? Allô, est-ce que vous m'écoutez? Visiblement, il n'y a pas de retour. Quand vous nous appelez, vous baissez juste un peu le volume de votre radio et vous serez en mesure de nous écouter et d'intervenir sereinement dans l'émission. Le 91 09 71 71. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est monsieur Kodjo. Kodjo, vous nous appelez de... Toko Pita. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, pour ce qui concerne la C14, pour les manifestations prochaines, je dirais que la C14 n'a d'autre choix que les marches. Parce que la communauté internationale ne veut plus les affaires de coup d'État. Vous-même, vous voyez ce qui s'est passé hier au Gabon, vous voulez dire? Au Gabon, et 2 ans ou 3 ans après, à Burundi, et un général avait réussi à faire un coup d'État à Nkurunziza que tout le monde décriait, mais la communauté internationale a dit que non, qu'il ne veut plus le coup d'État. Mais la question n'est pas tant de savoir s'il y a d'autres moyens à part les marches ou pas, mais en termes de mobilisation, est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de personnes dans les rues après le 20? La population doit redoubler d'efforts. Il n'y a pas d'autre choix que les marches. Je voudrais poser une question. Allez-y. À notre invité, une ou deux. Et avant le 20 décembre, Madame Brigitte Adamagbo est passée sur la radio et je lui ai demandé si on laissait l'élection se passer, comment est-ce qu'on va composer la nouvelle CENI pour l'élection du 20 décembre? Pour la présidentielle, vous voulez dire? Pour bien. La présidentielle. Et vous posez la même question à M. Amaglo. Et aussi, pour 2020, nous tous, tout le peuple togolais sait que 2020, l'opposition va gagner. Mais est-ce que le pouvoir va accepter à donner le pouvoir à l'opposition? Bien. S'il refuse, comment est-ce que l'opposition va faire pour arracher
sa victoire. Merci. Merci, Monsieur Kodjo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91-09-71-71. Et Lolo City, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que la marche vers l'alternance est une cause noble. Le choix de la résignation vers cet objectif est une irresponsabilité civile. Un autre auditeur en ligne. Allô. Allô. Bonjour. On vous appelle comment? Kofi. Oui. Vous nous appelez d'où? Rapprochez le téléphone de votre bouche et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. À votre avis, y aura-t-il un avant et après 20 décembre en termes de mobilisation? On me fait signe que nous avons perdu Kofi. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Antoine. Bonjour, Khalid. Comment allez-vous? Ça va bien, même meilleur que de santé surtout. Merci, et je vous adresse mes vœux réciproques. Bonjour, oui. Mes vœux réciproques. Oui. Allez-y. En fait, mm-hmm. les gens ont cru que les élections législatives auxquelles on a nommé des députés... Ils ont été élus, hein, Kanidek. J'ai dit, Antoine, on a nommé les députés. Et vous avez suivi la Cour constitutionnelle à proclamer des résultats. Quel résultat? Qui n'a même pas eu une concordance avec celle de la CENI et celle de l'ELI. Après les recours. Bien, allez-y, développez votre position, candidat. Les gens disent que c'était une fin en soi. Et comme l'a dit Dr. James Amangolo, le peuple s'est exprimé le 20 décembre. Et le peuple, la mobilisation est déterminée à jamais. Quiconque appelle actuellement, que ce soit un seul parti de la C14, ou soit un seul mouvement de la société civile qui appelle le peuple à protester contre tout ça là. Ah, nous avons perdu Kanidek. Il a dit l'essentiel. Visiblement, il veut exprimer que quelle que soit l'entité qui appelle, il y aura une réponse. On espère qu'il parviendra à rentrer en ligne avant la fin de l'émission. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Isaac. Isaac, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Léo 2000. Allez-y, nous vous écoutons. Oh, mais c'était seulement pour vous saluer. Même si tu n'as pas été à l'école avec ces votes-là, tu fais au moins 7 millions. Si effectivement notre gouvernant, ils ont gagné les élections, 1 million et quelques, mais vraiment, c'est décevant quand même. Mais seulement, alors... je voulais dire à l'opposition que... ils n'ont qu'à faire tout et tout pour sensibiliser les hommes pour les élections prochaines. Parce que la présidentielle, tout le monde sait que c'est à eux. Maintenant, Isaac, ouais. En ce qui concerne la mobilisation, vous pensez qu'il y aura toujours du monde dans la rue, par exemple le 12 janvier oui. prochain? S'il vous plaît, il y aura du monde, mais seulement il y a trop de peureux. Est-ce que vous voyez, quand les hommes voient les militaires... dans choses partout, qui retournent. Mais ils vont te laisser, or vous venez peut-être 40 personnes, mais les autres là vont retourner. Il y a des peureux, quoi. Bien, merci. Mais... merci Isaac d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Et sur la page Facebook de Nana FM, Noël Petitgo dit qu'avant ou après, notre objectif, c'est l'alternance. Ce n'est pas une question de la coalition, mais d'un peuple fatigué de ce régime. Alors, James Amaglo, on a eu Kodjo depuis Tocouin, qui dit que de toutes les façons, vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez que les marches et qu'il va falloir que les citoyens redoublent d'efforts. Mais Isaac dit qu'il y a un peu trop de peureux. Que pensez-vous de ces deux points de vue? Non, je crois qu'ils ont vu juste. Nous n'avons d'autre choix que d'intensifier les marches, les manifestations populaires, sortir plus nombreux. Ça, c'est la nature même qui le demande. Vous avez une fois vu l'épervier, il vient prendre un poussin, qu'est-ce qu'on fait pour le chasser? Si vous avez fait le village, on crie. Il faut pousser des cris selon la tradition. Et on est nombreux, il abandonne. C'est la même chose qu'il faut faire à ce pouvoir. Il faut qu'on soit nombreux à crier sur eux. Ça, c'est la nature. Et ils seront obligés. Ils vont abandonner. Il faut crier sur eux. Ils vont abandonner. Ça, c'est sûr. Ils peuvent avoir n'importe quelle armée. Et il y a un proverbe à Chantilly qui dit, quand on tue 1000, 1000 viennent encore.
Ça veut dire qu'un peuple est invincible par son armée. Le Togo peut prétendre même faire la guerre avec le Nigeria et le gagner. Mais l'armée togolaise ne peut pas gagner le peuple togolais. Ça, c'est une certitude. Les militaires le savent, nous aussi, on le sait. Donc, quand nous savons que nous serons victorieux, pourquoi allons-nous reculer? On doit avancer. Maintenant, les peureux, c'est vrai qu'il y a des peureux. Les peureux n'ont pas à comprendre que les militaires dont ils ont peur sont allés voter et ils ont fait plus de 70% de bulletins nuls. C'est selon les chiffres de... Selon les chiffres sortis des urnes du dépouillement de la CENI concoctés par eux-mêmes. Dieu aide les Bakou qui n'ont jamais imaginé viennent en surface. Les militaires aussi sont fatigués. Nous connaissons l'état de nos militaires, ils savent, nous sommes en famille, nous sommes des parents, on est ensemble. Tous les jours, on vit les mêmes difficultés. Donc, c'est le peuple qui est le catalyseur qui permet à l'élite militaire, juridique, politique, de s'exprimer. Si le peuple se mobilise, vous verrez un Rawlings, vous verrez un Sankara, vous verrez un Djibo comme au Mali qui est venu faire le clown au Togo ici, vous verrez le jeune dont on parle au Gabon. Moi, je ne le condamne pas. Mais pourtant, vous avez opté pour une lutte pacifique, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas une question de lutte pacifique. Nous demandons à notre peuple d'exprimer sa colère. Ce n'est pas une question de pacifique. Il y en a qui aimeraient... Nous ne sommes pas violents, c'est vrai. Justement, il y en a qui aimeraient que votre choix soit clair. Oui, le choix est clair. C'est-à-dire quand quand tu exprimes ta colère en face de l'adversaire, mais c'est comme quelqu'un qui disait, quand le lièvre change de direction, tu dois changer la direction de ta massue. Vous êtes à la chasse. Donc, le pouvoir que nous avons en face, nous savons. Au Burkina, ils n'ont pas fait le coup d'État, mais ils sont allés à la présidence. Parce qu'ils ont atteint un degré de mobilisation que tout le monde a compris, même le chef de l'État, Blaise, a compris que son peuple est vraiment en colère. Il faudrait que le degré, ça chauffe, ça monte. Fort aussi, c'est un être humain, il sera sensible à la colère de son peuple. Ça va l'atteindre un jour. Mobilisons-nous. Disons que ceux qui ont peur de ne pas avoir peur, je vous ai dit, qualitativement, nous avons évolué. Et dans notre lutte, le Seigneur est avec nous. Et on est sous sa protection. Les ancêtres sont avec nous. Nous sommes sous leur protection. Et donc, c'est ceux qui vont se débiner de cette responsabilité. C'est eux, par hasard, que la nature punira. Et donc, quand tout un peuple se met en mouvement, il faut que tu sois dans ce mouvement parce que tu as tout vu, tu subis les mêmes affres que ce régime nous fait subir. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un se mette à l'écart. Il y a une infime minorité, pour des raisons bassement matérielles, sont au service du mal. Ils le savent, leur conscience les interpelle. De plus en plus, ils abandonnent. Et donc, nous qui sommes là, qui n'avons aucun intérêt dans ce régime mafieux, organisons-nous pour mettre fin à cet état de choses pour le bien de nous tous et même pour tous ceux qui nous ont fait souffrir, comme l'Afrique du Sud, Mandela l'a fait, même pour les Blancs qui les avaient fait souffrir pendant 400 ans. Il a rétabli une société digne pour tout le monde. Au Togo, l'objectif pour la coalition, c'est de faire en sorte que le Togo soit un Togo paisible où l'épanouissement est possible pour tout le monde et la justice règne pour tout le monde. Alors nous reviendrons dans quelques instants sur les rapports que vous entretenez avec ce régime, mais avant, Tchande Adingo sur la page Facebook de Nana FM dit que c'est une vente d'illusions pure et simple, la coalition est au pied du mur, la mobilisation ne sera pas au rendez-vous avec les mêmes acteurs de la coalition. Qu'en pensez-vous? Il se trompe. C'est ceux qui ont partagé des députés le 20 décembre, ça c'est leur adepte. Nous ne sommes au pied d'aucun mur. Nous avons commencé à zéro. Nous avons atteint un niveau. Nous avons encore une marge de progression parce que le défi à relever est toujours devant nous. Et nous sommes un peuple digne. Comme l'a dit notre hymne, quand vient le tyran, ton cœur soupire vers la liberté. Vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. Le peuple togolais va retrouver sa dignité. Nous ne sommes au pied d'aucun mur. Nous savons que nous avons un défi à relever. Nous le releverons. Alors, le temps qu'il faut pour le relever, nous nous organisons et nous persévérons, nous le releverons. Certains observateurs estiment aussi, vous avez évoqué à plusieurs reprises la tradition, vous avez donné des citations. Il y en a qui estiment aussi que traditionnellement, quand on est en face de quelqu'un qui est plus fort que soi et qu'on veuille lui prendre quelque chose, il va falloir faire
preuve de ruse et que votre stratégie d'approche envers le régime, en le traitant par exemple de mafieux, de machiavélique et autres, que ça ne vous aide pas parce qu'aujourd'hui ce sont eux qui détiennent la force. Qu'est-ce que vous, vous répondez à cela? Non, il n'y a pas plus fort que le peuple. Il n'y a pas plus fort que le peuple. Mais ce que vous dites, ce que notre tradition nous dit, c'est savoir parler avec courtoisie à quelqu'un. Est-ce que vous pensez que vous l'avez? Et ce régime, il a dribblé tout le monde. Il croit être plus malin que tout le monde. Or, même les gens de la CDAO, moi, je suis certain qu'ils sont aussi venus constater la duplicité de ce régime. Dans ce cas, ils auraient pu demander le report de l'élection comme vous non, le souhaitiez. Non, ils veulent aussi, ça c'est à mon niveau que j'interprète, ils veulent savoir quel est le degré de merde de ces gens-là. Ils veulent savoir. Ça dit, tu as un interlocuteur, tu veux le connaître à fond. C'est comme les services de renseignement. On te file jusqu'où tu peux aller. Quels sont tes réseaux? Il veut savoir quel est le fonctionnement du régime togolais. Les Ghanéens veulent savoir. Peut-être le Guinéen, je doute, mais le Ghana, c'est un peu profond. Eux, ils veulent savoir. Ils veulent avoir un dossier sur le Togo. Et bien parler du Togo. Alors, Kofi voudrait savoir, que sera la CENI qui va organiser la présidentielle à partir du moment où vous n'êtes pas à l'Assemblée? Que personne ne s'inquiète sur la CENI. Souvenez-vous des années 90. RPT, et Adema toujours au pouvoir. Toujours. C'est ça, non? RPT, parti, État. C'est ça. Mais en 90, qu'est-ce qui s'est passé? On a démoli tout ça. On a dissous le gouvernement, on a dépouillé le général Eyadema, on a confié une transition, on a fait tout ça. Et pourtant aujourd'hui, plusieurs estiment qu'il n'y a pas eu de grand changement. La vie, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des avancées. Si vous faites quelques erreurs, vous reculez un peu ou vous stagnez. L'échec de notre transition, on l'a connu. C'est lié aux rivalités internes. Dieu merci, pendant les un an de la coalition, nous avons compris l'effet nocif des rivalités internes. Et on a fait l'effort pendant un an et plus de gérer tout ça et on est arrivé à un résultat qualitatif qui est l'expression du fin décembre. Nous allons donc prendre. La CENI, quand nous serons soit pour les locales, soit pour les présidentielles, la CENI sera composée selon le désidérata du peuple togolais et c'est pour ça qu'on se bat. Il n'y a pas du tout d'inquiétude et en 2020, avec ou sans le président actuel, l'opposition, comme quelqu'un l'a prédit, ira au pouvoir. Eux tous, ils le savent, même dans leur circuit, avec toutes les combinaisons, ils ont atteint les limites. À partir du 20 décembre, c'est fini, c'est leur chute. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Michel, Bangira. Michel, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, à votre avis, en termes de mobilisation, y aura-t-il un après et un avant 20 décembre 2018? Moi, je ne crois pas qu'il y aura un après ou un avant, mais ce que je sais, c'est que les Togolais sont arrivés à un niveau où la colère est extrême. Et si la colère est extrême, cela ne veut pas dire que si les gens ne sortent même pas, ou bien les gens ne sont pas nombreux, donc eux, ils ont gagné. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce régime a l'habitude de donner l'impression que qu'il arrive à maintenir les choses. Alors que, regardez le vote des militaires. Mais ça, c'est déjà un langage à déchiffrer. Vous n'allez pas dire que les militaires ne savent pas voter, ils ont fait autant de bulletins nuls. C'est parce que eux aussi sont fatigués. Mais je dis ce régime, même le plus crétin de la société togolaise, c'est le comportement qu'ils adoptent. Merci. Alors, qu'ils s'attendent que ça s'expose sur leurs yeux un bon matin. Moi, je suis certain, même si ça dure. Merci, Michel, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Folie Gérard, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que la soif actuelle de la liberté du peuple togolais n'est pas une affaire de la coalition, mais de toutes les populations martyrisées. La lutte populaire est invincible. Encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va bien. Docteur Maglo, bonjour. Good morning. Moi, c'est Maglo. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, je dois faire un effort pour venir connaître mon grand frère, même si c'est Maglo. Merci beaucoup. Voilà. Je suis content de voir que vous vous entendez bien, donc je n'aurai pas beaucoup intervenir ce matin, monsieur Maglo, allez-y. Oui, on s'entend très bien. Voilà. Moi, avant le 20 décembre, c'est le 19 août pour moi. Et après, il y aura un après. Et
contrairement à ce que un journaliste, un chef de parti, j'ai nommé Philbert Akissou, avait dit que c'est un revers le 20 décembre, je crois que c'est plutôt un revers pour le pouvoir. Le pouvoir, dans sa goulomie, a même entraîné la communauté internationale à se dire qu'il ne vaut plus rien aux yeux des médias internationaux. Tout le monde, moi j'écoute beaucoup de radio. La CEDEAO, y compris tout ce qui est appelé communauté internationale, ils n'ont plus de bonne presse auprès de qui que ce soit. Alors, la question de savoir s'il y aura un engouement après ce 20 décembre, pourquoi pas? S'il n'y en a pas, il faut même le créer. Il faut le créer. Qui aurait pensé qu'il y aurait eu le 19 août? Nous en aurons. Il faut qu'on ait le courage. Merci. Ça, j'encourage les Togolais à ce qu'on se mobilise beaucoup. Parce que ce qui se passe, c'est défendre le Togo. C'est le moment plus que jamais pour que les Togolais défendent leurs biens. Merci. Merci, voilà. M. Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Dr Maglo, Joseph Dalmeda estime, il dit les marches, oui, mais que feriez-vous si demain, ce Parlement qui se met en place vote une loi contre toute manifestation? Ce n'est pas parce qu'on a voté une loi contre une manifestation qu'on ne va pas manifester, non. Manifester, c'est dans la nature humaine de dire non, d'exprimer son désaccord. Et il n'y a pas de loi qui puisse nous empêcher de le faire. C'est une loi naturelle pour nous. Et quand ils vont voter une loi de ce genre, c'est nous appeler à davantage manifester. Moi, je crois que c'est ça. Nous allons les années 90, c'était interdit toute activité politique. Et pourtant, nous allons ça prendre. A bouillonné et ça a explosé au visage du général, pas du fils du général. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Monsieur Koko, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Je salue Monsieur Jimmy Tamango. Il vous dit bonjour. Ah. Il avait enlevé son casque un moment. Oui, je m'excuse. Oui. Okay. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Heureuse année. À vous de même. Merci. Monsieur Antoine, vous voyez, nous sommes dans un pays où je vais dire que le pouvoir a mis tout en contribution pour que le peuple ne connaisse même pas ce qu'on appelle politique. Et en premier partie, les journalistes. Ce qui s'est passé le 20 décembre, moi, en tant que citoyen, la question que je me suis posée, quel avenir pour le Togo? Quel avenir pour la CEDEAO, pour ce qui s'est passé dans notre pays? Mais les journalistes de notre pays... Monsieur Koku, avant même que vous me disiez ce que les journalistes ont fait, je vous ai toujours fait observer la différence entre les journalistes et des journalistes. Oui, même vous, l'émission a été faite chez vous aussi. Quelle avenue pour la C14? Vous pensez que c'est une question à ne pas se poser? Non, le peuple togolais ne fait pas de lutte pour la C14. Le peuple togolais fait de lutte pour se libérer. Mais ça, personne ne dit le contraire. En tout cas, moi, j'ai jamais dit le contraire. On s'apitoie sur le son de la C14, or qu'on sait qu'après le 20 décembre, le Togo existe. Même si la C14 n'est pas là, le Togo existera. Et nous devons lutter pour avoir notre liberté. Mais est-ce que vous, monsieur Koku, on s'attarde sur ce point parce que plusieurs, justement, réagissent à ce propos. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir le droit, si on estime qu'on marche vers la démocratie, de s'interroger sur n'importe quel sujet, c'est-à-dire faire un exercice intellectuel? Oui, mais pour ça, je respecte votre opinion pour ça. Mais j'ai trouvé que c'était horrible qu'au Togo... Tous les journalistes... Qu'on s'interroge sur l'avenir de la coalition après les législatives. Oui. Bien. Allez-y donc, monsieur Koku. Bon, concernant le thème du jour, moi je dis et je le dirai toujours, le peuple togolais veut se libérer. Même si c'est une seule personne qui sort, il va manifester pour dire que ce qui se passe dans son pays n'est pas normal. Je vais finir en citant un écrivain qui a écrit ceci dans son livre intitulé « Grandeur et servitude coloniale », il dit ceci « Puisque les Africains, notoirement, ne sont pas capables d'exploiter les ressources naturelles de leur continent, pourquoi eux, les Européens, refuseraient-ils d'en tirer profit ?»
Je vais traduire ça pour schématiser ce qui se passe dans notre pays. Puisque les dirigeants togolais ont refusé de mettre les ressources de leur pays au profit de leur population, pourquoi la communauté internationale et les pays qui l'entourent refuseront-ils d'en tirer profit ? Fin de citation. Bien. Alors, M. Kokou, oui? Avant de vous laisser partir, est-ce qu'on aurait le droit de faire un débat sur l'avenir du parti au pouvoir après les législatives du 20 ? Tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle de mon pays, passez, le Togo. Passez une bonne journée. C'était pour vous taquiner, M. Kokou. Je voulais renchérir un peu sur les propos de M. Kokou. Allez-y, dit, nous sommes presque à la fin. Si le président du Togo fait appel à la CEDEAO pour l'aider à foutre du merde, du bordel dans son pays, la CEDEAO va applaudir parce que les pays sont en rivalité. Ça les arrange. Pour quel intérêt ils ont à voir un Togo qui est là, qui est bon, qui les concurrence sur la plateforme internationale? Non. Donc, la responsabilité, c'est à nous. Il faudrait qu'on s'organise. Mais voilà. Ça, on pourrait vous demander si vous l'ignoriez au moment où vous vous inscriviez dans on la logique du dialogue. Pas. La CEDEAO peut être un compatissant. C'est-à-dire, quand tu es en difficulté, tu cries, c'est naturel de dire du cri. Pour dire que je suis en danger. L'autre aussi a naturellement la responsabilité de te venir en aide. Mais ce n'est pas sur son aide que tu es là, accroché à pleurnicher. Non, nous ne pleurnicherons pas sur l'attitude de la CEDEAO. Nous avancerons et nous irons droit au but avec ou sans la CEDEAO. Demain, si la CEDEAO s'offre, moi je n'ai pas de truc. Je sais que je dois d'abord compter sur moi. Maintenant, ceux qui veulent m'aider viennent. C'est tant mieux. Alors, les trois dernières réactions ont été dans la logique qui est la vôtre. Quel serait votre mot alors pour clore? Le mot de fin, je crois que tous les intervenants, le peuple togolais, tout le monde, l'élite, tout le monde a compris que nous avons énormément d'atouts pour avancer et atteindre le plus rapidement possible les résultats, c'est-à-dire mettre fin à la dérive totalitaire dans notre pays, la mauvaise gouvernance. Nous avons tous les atouts. L'état d'esprit aujourd'hui nous met encore en position de force face à ceux qui ont échoué le 20 décembre et dont des éléments en mission ont traversé la frontière d'un pays voisin sans le savoir alors que c'est des militaires et on les a fait subir des humiliations. Nous voulons mettre fin à tout ça. Les autorités ont aussi leur version nous maintenant. Nous allons mettre fin à... Mais les Togolais, les militaires togolais sont retrouvés au Ghana, on les a attrapés, on les a chicotés. Ce que moi, ça m'a donné des larmes aux yeux. On va mettre fin à tout ça. Les militaires savent qu'on ne traverse pas n'importe comment une frontière. Un aspect important, est-ce qu'il y a déjà eu une entente sur les itinéraires de cette manifestation le samedi ? L'itinéraire n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Togolais sortent nombreux, nombreux, très nombreux, pour que le président davantage prenne conscience qu'il a mis son peuple en courroux et qu'en retour, les esprits descendent sur lui pour qu'il est le bon comportement. Merci. Merci James Amaglo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des forces démocratiques pour la République dans le Grand Lomé. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé. Merci par téléphone et par internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. Nana FM.